Absolument, mais Paris, c'est aussi plein de Parisiens et de Parisiennes, et une qui est de bonne humeur ce matin, c'est Louise. Salut, je m'appelle Louise et j'ai 14 ans. Louise a un sacré caractère et elle sait monter sur ses grands chevaux. Ma passion, c'est l'équitation. Et il n'y a pas photo. Quand il le faut, Louise sait lâcher les chevaux. Avec elle, pas de mise au point à faire, pas de flou artistique, car elle a un rêve. Et plus tard, ce que j'aimerais faire, c'est photographe. Une femme va lui permettre de réaliser son plus grand souhait. Cette femme, c'est elle. Bonjour, je suis Vanessa et je suis photographe. Elle fait crépiter ses objectifs depuis 14 ans dans l'univers de la mode. Ça, go ! Dans quelques instants, Louise va exercer le temps d'une journée le métier de photographe. Et découvrir les coulisses d'un vrai shooting photo. Hey, hey ! Félicitations ! Merci. Mais concrètement, un photographe, c'est quoi ? Alors, le métier de photographe, il s'agit de prendre de belles photos, évidemment d'appuyer sur le déclencheur, mais c'est pas tout. Il faut aussi apprendre à mettre très à l'aise les personnes que vous allez photographier. Le métier de photographe est un métier de passion. Quand on a décidé de faire ce métier-là, on sait qu'on était fait pour ça. Parce que quand on découvre des univers, quand on découvre des images, quand on a envie de photographier des gens et quand on a envie d'avoir tout le temps un appareil photo avec soi et qu'on a envie de photographier tout et capter l'image, ça c'est un métier de passion. Il est maintenant l'heure pour Louise de rencontrer Vanessa chez elle dans son studio photo. J'ai vraiment hâte de rencontrer la photographe, ça va être super amusant et voilà, je suis très impatiente. Bienvenue Louise. Merci, bonjour. Bonjour. Vanessa, bienvenue. Louise, oui, dans mon merci. Univers. Super. Je suis super contente. Ah, bah tant mieux, ça me fait plaisir. Voilà l'espace du studio, typiquement parisien. Super beau. Quand elle arrive et qu'elle découvre le studio, c'est vraiment chouette parce qu'elle est totalement ébahie, elle adore. Elle regarde partout, elle est un petit peu timide, donc elle regarde discrètement, c'est trop mignon. Vanessa, elle est vraiment super gentille, elle nous met à l'aise et elle a la pêche. Et je vais t'expliquer ce que c'est que le métier de photographe, avec tout ce que ça implique. D'accord. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'appuyer sur un petit bouton. Aujourd'hui, Vanessa doit faire un shooting photo avec Kong Kiem, un mannequin homme, pour une publicité. Et pendant qu'il se prépare, Vanessa doit installer tout le matériel. Première étape, installer le fond. Le photographe privilégie un fond gris ou noir, couleur neutre, qui permet de se concentrer sur le modèle. Donc là, on va mettre en place la boîte à lumière. On utilise ça surtout pour faire des portraits, parce que ça donne une lumière qui est très douce sur le visage. On va fermer les rideaux. Oui. Mais après, il va faire sombre. Il va faire sombre et c'est voulu. C'est voulu parce que dans un studio photo, il faut toujours que la lumière soit totalement noire pour que ce soit les flashs qui prennent le dessus. Si tu laisses de la lumière ambiante et la lumière du jour, l'équilibre de la lumière sera totalement différent. On allume les flashs ici. Ici, ça te permet de pouvoir régler l'intensité de la lumière. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me monter le flash, par exemple. Tu tiens toujours la base, ici. Oui. Maintenant, on va faire un test de lumière. Oui. Et puisque tu es là, tu vas me servir de modèle. Ah. La lumière est une composante primordiale d'une bonne photographie. Comme Vanessa est spécialisée dans les photos de mode, elle travaille beaucoup en intérieur, dans un studio, avec un éclairage artificiel. Elle maîtrise donc parfaitement la lumière. Là, tu vois, ça permet de voir que la lumière est beaucoup trop claire. Donc, tu vas aller descendre le flash. D'accord. Avec Louise, on prépare les lumières, on met les flashs en route. Donc là, tu prends l'appareil et tu le descends, tu le mets à 53. Voilà. Là, tu refais un test de lumière. Voilà. Tu déclenches le flash. Deux fois. Viens voir, Louise. Regarde la photo, elle est beaucoup mieux éclairée, là. Elle est beaucoup mieux. Chouette, hein ? Oui. Test réussi. La lumière est plus homogène, sans contraste trop marqué. Ok, maintenant on va aller chercher le mannequin, il doit être prêt. Oui. Vanessa me dit qu'on va accueillir un mannequin et je suis vraiment impressionnée. T'es prête ? Oui. Ok. Tu sens qu'elle a envie de découvrir en fait. Elle est un petit peu en retrait au départ parce que c'est normal, c'est le début. Alors, je te présente mon assistante du jour aujourd'hui. Salut. Une jeune fille qui voudrait découvrir le métier de photographe, donc ça tombe très bien. Parce qu'aujourd'hui, c'est un univers de publicité. On va faire des photos avec toi où elle va regarder un petit peu ce qu'on fait et la façon dont on va bouger et faire les photos. Ok. Je présente Louise comme mon assistante. Alors là, c'est extra parce qu'elle est ravie.
Moi, j'aime bien lui donner un petit défi comme ça. Puis ça a l'air de lui plaire, je suis sûre que... Vanessa me présente comme son assistante au mannequin et je suis vraiment fière. Le mannequin, même s'il est très professionnel et il sait très bien bouger, il faut toujours lui expliquer ce qu'il doit faire. Là, on voudrait une image hyper fun, quelque chose d'assez sympathique, quelque chose d'assez jovial. Donc, l'éclairage, normalement, il est parfait. On fait un dernier test quand même pour vérifier. Juste comme ça. Tu vérifies toujours. Merci. Tu vois que la lumière, elle est très belle. Oui. D'accord. Et maintenant, tu lui donnes le là. Et tu l'aides toujours, ton modèle. Tu l'aides et tu joues avec lui, tu bouges avec lui. D'accord? Donc là, tu lui dis go. T'es prêt? Yes, on y va. Allez. Il faut avoir une grande part de psychologie. Lorsqu'on est derrière un objectif, c'est très complexe. Et c'est à vous, en tant que photographe, de savoir mettre les gens à l'aise. 5. Hey. Ça. 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 Go. 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 Gauche à droite, je vais bouger en tous les sens en fait. Go! Ça c'est bien, super! Le mannequin, je le dirige, je l'accompagne, on parle beaucoup pour le mettre à l'aise. Et Louise, elle regarde ça d'un œil où peut-être elle se dit waouh, en fait c'est énorme comme job. Si tu veux emmener ton modèle vers quelque chose de triste, bah, tu peux lui dire tu es sur le quai du train, tu attends quelqu'un qui ne vient pas, tu t'ennuies. Oh. Ça. Ça c'est bien, tu vois, c'est des expressions qui sont très modes ça. Toujours communiquer, tu comprends? Oui. Je voudrais que tu t'amuses et que tu sautes en l'air si tu as envie. Tu fais que des mouvements qui te passent par la tête. On y va? Go! Hey! Et 3! Ok, bravo! Je pensais pas que c'était comme ça un shooting. Je pensais que c'était plus calme, plus... Je pensais pas qu'on bougeait autant. Mais j'espère en être capable plus tard. Alors d'abord, tu lui poses la question et tu lui dis... Tu me suis, je vais te diriger. Bah, tu me suis et je vais te diriger. Ok. Ça marche, allez. On y va? Allez, go! On y va! Hey! Ah! Ça, encore, ça, encore. 3, 1, 2 et 3. Ok! Super! Bravo, Miss! Bien ça! Oui. Et tu fais combien de photos à peu près par séance? Ah, alors je fais une centaine de photos à peu près. C'est beaucoup. Et ensuite, quand on fait le tri, on va en sortir 2 ou 3. D'accord. Avec l'arrivée de la photographie numérique, le métier de photographe a évolué. Il ne développe plus sur papier, c'est sur son ordinateur que le travail s'effectue. Il faut donc connaître les outils informatiques. Maintenant, on va faire la sélection de la photo qu'on préfère. Oui. Ok? Alors, je l'ai fait défiler, tu me dis celle que tu préfères, il y en a 5. Oui, ok. J'aime bien celle d'avant. Celle-ci, tu sais ce qu'on va faire? On va les regarder tout en même temps. Celle-ci, j'aime bien parce qu'il y a une attitude qui est très naturelle, par exemple. Le métier de photographe, c'est aussi savoir faire le tri. Parce qu'après, tu te retrouves avec 300 photos, 100 photos. Il faut les visionner une à une. Il faut avoir l'œil rapide aussi. Voir tout de suite ce qui ne va pas, peut-être un œil fermé. Et là, tu commences à faire des retouches. On retouche celle-là? Oui. C'est important aussi, quand tu fais ce métier, de savoir manipuler un minimum tes photos. Tu fais le réglage des... Contraste. Après le tri, le photographe utilise un logiciel qui lui permet de retoucher les photos dans le but de l'améliorer. Et une bonne retouche est une retouche naturelle qui ne se voit pas. On l'enregistre. Maintenant, quelque chose de très très précieux. Je vais te faire un cadeau. Oui. Tu vas utiliser mon boîtier. Et ça, sache qu'un photographe ne le prête jamais. Ah bon? Non. Je suis vraiment fière qu'elle me confie son appareil photo et c'est vraiment waouh. Je te fais confiance, je suis sûre que tu vas faire des super photos. D'accord. Ok, tiens. Tu mets autour du cou. Oui. Ok, voilà. Louise, à toi de jouer. Louise, c'est ton défi maintenant. Oui. Ok, c'est à toi de jouer, d'accord? C'est toi qui vas réaliser une jolie photo pour le e-shop de ces deux Miss qui sont superbes, d'accord? Bonjour Louise. Bonjour. Ok, je te fais confiance, tu fais. Ok. Parti. On y va. Mon défi, c'est de prendre en photo deux de ses clientes pour un e-shop. Là, j'ai un peu la pression. Je me dis, est-ce que je vais réussir ou pas? Il y en a une qui se met sur le tabouret, il y en a à côté. Est-ce que ça va ou pas ou... Oui. En fait, ce que tu peux faire d'abord, c'est que tu peux montrer à tes modèles les attitudes que tu souhaites. Et tu leur dis,
Voilà, j'aimerais que, à chaque fois que le flash se déclenche, vous changez d'attitude. Parce qu'elle, elle parle beaucoup, elle s'est dirigée, et moi, je suis un peu timide. Donc je sais pas trop si je vais y arriver. À chaque fois, en fait, il faut que tu mettes les modèles à l'aise, tu leur parles et tu leur dis « Hey, maintenant, on va faire un truc super sympa, vous allez bouger, vous allez vous regarder. » Ok. C'est d'accord ? Sur ce ton, hein ? Allez, go ! Allez, maintenant, on va bouger. Donc vous dansez, vous... voilà. Attention. Voilà, t'en fais plein. Allez, vas-y, éclate-toi. Allez, bougez dans tous les sens. Vous pouvez sauter. Vous rigolez, vous regardez. 1, 2, 3. Mettez les bras en l'air. Une dernière. Et tu leur mets le rythme. Tu fais hey, allez. Tu cries avec elle, hey. C'est plus facile. 1, 2, 3. Hey. La dernière, attention. Rigoler, danser. Et voilà. Ah, super. Bravo, Louise. Ah, j'adore celle-là. Ah, c'est super, c'est exactement ce qu'on voulait. On avait un peu peur au début et on est super contentes. Bah, c'est bien, alors, merci. Je suis émue, je suis fière, je suis impressionnée. Bon, qu'est-ce qu'on fait après un shooting? Eh bien, on applaudit. Ouais. Bravo. Défi relevé, Louise. Bravo. Ce moment, c'est vraiment génial à la fin, car c'est encourageant, c'est joyeux. C'était extra, cette journée avec Louise. Elle était adorable, attentive. Elle était professionnelle aussi, parce que mine de rien, elle était très à l'écoute. Et puis, elle a observé, c'était chouette. J'espère que je vais la revoir dans quelques années et qu'elle sera une super photographe. Pour Louise, photographe, c'est le meilleur métier du monde. Et plus du métier de photographe, c'est qu'on rencontre plein de nouvelles personnes, on découvre plein d'univers différents. Mais il y a un mais ? Les moins du métier de photographe, il n'y en a pas. Bon, t'as passé une bonne journée ? Oui, franchement, c'était vraiment super. Merci pour cette journée. Ah, bah, je suis contente alors. Oui. Super. Écoute, t'as été très bien. Oui. T'as bien relevé ton défi. Les filles sont très contentes de leurs photos. C'était top. Mais, franchement, je suis super contente. Ah, ça me fait plaisir. Super. Oui. À bientôt alors. Oui, à bientôt. Maintenant, c'est sûr, ce que je vais faire plus tard, c'est photographe. Pour être photographe, il faut soit un bac pro photographie, accessible après la 3e, la formation dure 3 ans. Soit un BTS photographie, accessible après un bac scientifique, ou encore être diplômé d'une école nationale de photographie qui offre des formations de 3 ans après une entrée sur concours à bac plus 2. Il faut aussi être inventif, créatif, psychologue et avoir le sens de la communication. J'ai passé vraiment une super journée, je suis vraiment trop contente. Vanessa est vraiment super gentille, elle m'a donné plein de conseils. Et tout le monde était gentil en fait. Mais voilà, c'était vraiment une super journée. Bisous!